Ok, le jeu que je vous propose ce soir, c'est un jeu qui a été fait par Emika Games, qui est un studio qui nous a jamais vraiment déçus. Je vais avoir peur. Ah, je suis dedans, là, direct? Mais je prends ça, non? Je peux pas prendre ma lumière? C'est la porte? Je vous jure, dire in situ. Ça va, le son? T'as l'air fort. Attendez, 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 attendez. Passe un tout petit peu. Ah! C'est le menu m'a fait peur, le menu m'a fait peur. Pourquoi les gens vont dans le passé? Pourquoi ils peuvent pas laisser le passé derrière et bouger? C'était fort, non? Tu es allé à la ville avec un enfant, c'est des beaux souvenirs, mais seulement si tu es content aujourd'hui. Si tu ne l'es pas, alors ces souvenirs te font tellement de mal et ils n'arrivent pas à partir, t'as envie d'y retourner et d'être heureux encore, mais tu ne peux pas. On dirait la suite d'un catfish. Comment changer une erreur fatale qui a changé ton monde? Pile, tu dois le faire. Acte 1. Le passé ne peut pas être changé. Libère le futur. Qu'est-ce que je fous là? C'est mon appart? Donc en gros, il s'est passé un truc. J'ai perdu la garde de mon fils, j'ai l'impression. La police cherche l'enfant. Il n'est pas revenu. Waouh, ok, j'ai l'impression. Il parlait d'un pique-nique. Est-ce qu'il n'est pas parti? Faire un pique-nique avec son gosse. Et son gosse s'est fait enlever, kidnapper, ou il est mort là-bas. En tout cas, il y a un truc horrible. Et depuis, il le vit en boucle, en mode mal. L'enfant qui a disparu 6 jours avant a été trouvé par des gens. Il a été trouvé dans une cabane à l'extérieur de la ville. Selon l'enfant, il a été kidnappé par un homme habillé comme un clown quand il était en vacances avec son papa. Mais le trauma à vie. Ici, un truc que je dois voir, ça se voit, c'est des trucs avec des énigmes. Il y a un truc que j'ai pas cliqué encore. Il y a quelqu'un chez moi, non? Il y a une porte maintenant chez moi, surtout. Il y a personne. Non, le gars il veut tellement repartir dans le passé pour sauver son fils. Il crée une machine à voyager dans le temps. Mais il a craqué. Bah oui, il est bloqué dans le passé, il veut que sauver son fils. Oh non. Quelqu'un qui sonne là, non? J'avais laissé ouvert en plus. Faut que je regarde par là avant. Non? Ok, non, c'est vraiment livreur, tout va bien, c'est normal. Ouais, j'ai cru que c'était un jeu d'horreur, c'est un jeu normal. C'est quoi du coup son colis? Il livre ça à Amazon? Une diode? Wouah, non, il a réussi, c'est une dinguerie. J'ai pas besoin de fermer la porte, les gars, je voyage dans le passé. J'ai pas besoin de ça. Je suis dans le passé. Yeah. Ok, je suis pas dans le passé, mais dans une autre réalité. Et mon fils, c'est devenu l'antéchrist? Ah, et ça, c'est vraiment toujours la morale des trucs de voyage dans le temps. Maintenant, ne faites pas ça. Ah. Oups. Il pensait que c'était plus en sécurité à l'intérieur. Ok, donc là je joue un flic qui cherche un enfant disparu. En fait, je pense que là on va voir ce qui s'est passé réellement et qu'en fait il n'y avait pas un bail avec un clown. On va découvrir qu'en réalité c'est peut-être le père et c'est pour ça qu'il s'en voulait autant. Mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur. Oh là là. J'ai aucune arme. Non, je suis désolée, l'endroit est horrible, mais jamais je vais là. Waouh, eh, moi je serais vraiment trop teubée, je serais morte. Normalement, tu cours. Il y avait les mannequins tout à l'heure. Les mannequins qui faisaient... Ils étaient pas là tout à l'heure, les gars. Il y a de la musique à l'intérieur. J'ai peur comme si j'y étais vraiment. C'est horrible. Oh, elle est ouverte, la porte. Ok, il y a personne. Enfin, s'il est assis là-haut, il voit juste ma grosse lampe torche dans sa gueule. Ah, des allumettes. Non, on brûle la maison, en fait. Pourquoi on se fait chier? Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Là! Ah! Je suis vraiment un flic de merde. Je l'ai pas vu. Oh, c'est si glauque. Mais pas... Ah, super, j'adore ça. Il y a une Ouija, cool. Mais attendez, mais il n'y a plus la poupée. En tout cas, il y a un bail avec un enfant. Hop là. Oula, ils m'attendent là. En fait, il y a plein de gosses qui ont été tués dans ce... J'ai rien vu. Cool, cool, cool. Vous étiez pas plusieurs, vous? Si. Super. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Il y en a un vachement badin là-bas. Et c'est pas un mannequin? Attends, c'est pas un mannequin, ça? Non, 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 non. Par. Ah, je vais être obligée d'aller le voir. Par. Je... Oh, non. Mais ses genoux, ils sont bizarres, non? Il a juste glissé. Monsieur, vous avez besoin d'aide? Vous avez glissé dans la cave fermée avec un cadenas? Le policier Henri était allé voir les environs du parc. Mais pendant l'opération, il a été retrouvé. Il n'a pas été retrouvé, il répondait plus.
Acte 3, il y a combien d'actes? Ok, Phil. Donc là, on est revenu avec le papa qui a voulu changer de réalité. Donc là, je suis dans l'autre réalité. Mais on en est à quel moment de sa vie, là? On va reprendre. On dirait que je recommence, du coup. Ah, oh, faut pas faire ça, la vache. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il a été hanté par des enfants, s'il essayait de retrouver le sien. Mais il est en enfer, en fait. Emma n'a pas triste son courrier encore. Il faut que je remette les enveloppes. Mais il y a peut-être un problème avec le courrier d'Emma, non? Dans une clé. Mon frère, Jonathan. Emma, je suis tellement désolée, je veux t'aider à trouver Gigi. Mais en fait, ils ont tous perdu des enfants. Ah, regardez, les chiffres, ils sont tous à l'envers. C'est tellement une réalité alternative. Il est en enfer, en fait. C'est qui, Gigi? C'est qui, lui? Non? Bouh! Oh, il est dans le truc... Oh, il est plus... Mais vas-y, ça me va. Ah, ça me va pas. Non, nique sa mère, j'ai menti, ça me va pas, je rigole. C'est relié à ça. Light the candle to open the door. Ok, y'a rien. Il faut trouver un petit nounours à mettre. Ok, attendez, mais il manque des trucs. Il me faut une clé, rallumer la lumière. Nous, les non-voulus, entraînés par les non-doués à faire l'impossible pour les ingrats. Ah ouais, il a vraiment merdé avec sa machine, là. Je pense... Ouais, t'as des bougies ici. Ah, tu remets le courant comme ça? Y a un truc qui arrive, là, non? Y'a un bruit, là, les gars. Ouais, ouais, ouvre ton truc. Oh, la clé. Y'a un truc qui arrive, là! Eh, pas de screamer, je vous en supplie. C'est pas ma pièce? C'est pas ma pièce, non, 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 je ne la connais pas. Hop, je la connais pas, c'est pas ma pote. Mais elle a l'air gentille, elle a un nounours. Je ferme, on la voit ou pas? Non, c'est bien comme ça. Elle est chelou son ombre, non? Gnaga! Gna! J'ai peur, sa mère, j'ai trop peur de votre jeu. Mais du coup, il y a toujours pas le truc ici, j'ai rien. Ah, mais putain, la clé, oui. J'ai oublié la clé, c'est la gamine, elle m'a trop mal. J'ai ça. Ah mais je peux repartir. Ouvre la porte de chez toi, s'il te plaît. Ouvre la porte de chez toi. Ouais, ouais, c'est un jeu d'horreur, ouais. Je vois, ouais. C'est la fin, c'est ici. J'ai pas vu! Qui a joué du piano? C'était là le nounours, hein, je me trompe pas? Qu'est-ce que c'était là, c'était là, c'était là. Ah. Putain, on reconnaît pas chez soi, hein. Bah du coup, je vais pas aller là, non? Pardon, pardon. Je suis obligée. Il y a un mot de passe que j'ai pas vu. Ah mais j'ai la Ouija. Attendez, attendez. Tata. Ah mais oui, la poupée, elle est encore plus badante. Elles sont pas déjà assez badantes avec un seul visage. C'était combien? 1, 4, 0... 8 1408, ça c'est un film avec Jim Carrey aussi, c'est un film d'horreur. Ça a peut-être rien à voir. Non, c'est pas avec Jim Carrey. C'est quoi déjà? Je sais combien. Mais il y a aucun monde où ça se passe bien. Et la diode, faut qu'on mette la diode, attendez. Il y a un levier, il me manque un levier. Mais vraiment les bâtards, c'est peut-être par là. Ah mais elles vont toutes attendre à la porte là, hein. La clé. Ah, oh, je suis trop... Ah, l'œuf doré. Wow, c'est un mot virtuel créé par rapport aux souvenirs et l'action de certaines personnes. Et on analyse aussi de quoi il a peur pour l'utiliser dans le futur. L'étape suivante, c'est de mettre l'esprit de quelqu'un dans un monde virtuel. Il pense que tout ce qu'il voit autour de lui est réel. Ensuite, on connecte la conscience de cette personne et on essaie de comprendre ses secrets et tout ce qu'il garde en lui. Dans nos œufs, on a créé un espace pour un maniaque. Comme ça, il ne sera pas capable de distinguer la réalité du virtuel. Ah, mais c'est ce qui se passe avec notre perso, non? Et il pensera que c'est sa vie. Pendant qu'il est distrait, notre tâche est de creuser dans ses souvenirs par rapport à ce qui s'est passé. Pour faire ça, on connecte une personne qui va explorer ce monde et enregistrer toutes les preuves pour nous. Ensemble, avec le district de la police, nique ta mère.
J'ai pas fini. Pardon. Donc Henri était dans l'esprit du gars. On a besoin d'une personne qui a déjà été là-dedans. Lui-même ne sait pas sortir de ça. Fais attention, les démons savent où te trouver. Ok, ne va pas au-delà des limites du monde, c'est dangereux. Ah, du coup, non, on voit pas les mêmes choses. Le tueur, il avait pas imaginé le même truc. Ah non, c'est pire, je suis désolée, c'est pire, je vois même pas les trucs arriver, c'est horrible. Je vous jure, ça m'a fait un souffle au cœur. J'ai même pas réussi à me retourner. C'est passé si proche. Paix du feu. Ok, il me faut un pied de biche. Donnez-moi le pied de biche. Ok, on se casse, venez, on se casse. Je déteste passer comme ça, collé à la forêt. Il est pas là, il y a rien, il est pas là. Pardon, madame. Je pensais que vous alliez me sauter dessus. J'ai même pas eu le screamer. Oui, c'est pour ça que je cours pas. C'est la lettre que j'ai envoyée à Emma. Il l'a volée. Mais attends, mais c'est la lettre qu'on avait mis chez nous? Mais oui! Emma, ton voisin, ne t'embête pas plus. Je sais que tu es gentille avec lui et que ton fils l'aime bien. Mais il me semble bizarre. Son nez est Phil. Ah non! Phil! Oui, c'est nous tout à l'heure. Nous, on était Phil. J'ai quelque chose sur lui. Il avait une famille. Ils ont été dans un accident de voiture et sa femme et son enfant sont morts. Après ça, il a bougé dans un appartement proche de ta maison. Je ne pense pas que tu devrais lui parler. Mais du coup, est-ce que c'est Phil, celui qu'on jouait, qui a essayé de récupérer son enfant, qui a fait des incantations et qui du coup est devenu le clown? Peut-être Phil, hein? Il était là, il était caché. Ah. Oh. Ah, bâtard. Pardon? On voit rien. On voit rien. On voit rien. On voit rien. Il faut que je trouve des objets. Est-ce qu'il y a un endroit qui a changé? Ah oh non, c'est pas une bonne idée, ça. Non. Hé, hey, elles sont stylées et modernes. Ah, c'est pour ça, les gants. J'ai la carte d'accès. Ok, c'était par là. Non, venez encore. Oh, j'ai zoomé! Attends, j'ai besoin de zoomer. Moi, j'ai zoomé. Ok. J'ai raté un truc, un barbecue, je sais pas, une invitation. J'ai rien. Oh! Ah, les chiens! Je suis trop naze. Et c'est quoi? Je n'ai pas trouvé ce journal dans la réalité. Il faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Pourquoi il cache tout? Ok, donc il a trouvé un truc qui sont ses souvenirs. On y retourne là? Ah, il y a quelqu'un là-haut maintenant. Bah non, en fait. D'accord, allez là-bas, pas de soucis. Je vais plus tenir. Peu importe aussi dur, enfin aussi fort que tu essayes, ils ne peuvent pas admettre que tu es un enfant spécial, je veux qu'ils le comprennent. Combien de temps tu vas nous mettre dans la cave? On a besoin de se sauver de là, j'ai un plan pour s'en débarrasser. Du coup là on joue le flic. Ce soir, deux patients se sont sauvés d'un hôpital psychiatrique, un homme et une femme. Ils se présentent comme un couple marié. Attention, ne pas rentrer en contact avec eux. Si tu suspectes quoi que ce soit, appelle la police. Et là c'est leur maison. Ah, c'est un couple qui... enlever les enfants? Waouh! Mais est-ce qu'ils cachaient des gosses dans les caves? Oh, ils me badaient. 100% c'est un couple de... tueurs. C'est qui fuck là? Allez, vas-y, fais ton truc. J'ai une clé? Ah, puzzle. Je sais pas à quoi ça me sert, mais on le prend. J'ai l'impression qu'ils ont enlevé des enfants. En tout cas, c'est sûr que les clowns, ils sont derrière un truc. Mais pourquoi on enquête dessus si ça a l'air si simple? Bizarre, bizarre. C'est quoi? Oh, c'est pour crocheter. Mais je croyais qu'il allait ouvrir le tiroir, moi. On va peut-être aller dehors avant ça, non? Oh là là, venez, on va dehors avant. Il y a peut-être un truc important. Elle a caché les clés, trouve le lockpick. Tu sais comment l'utiliser. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. C'est là-dedans qu'il faut l'utiliser, non? T'es un gentil chien. T'es un gentil chien, j'adore les chiens, j'adore les chiens. C'est un gentil chien, monte. Pourquoi ils ont ça chez eux? C'est quoi leur problème? Oh non, je vous jure, c'est les enfants le problème. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Oh, les bruits. Elle est là-bas, hein, je la vois, hein.
J'ai fini dans un orphelinat. J'ai trouvé des amis et je suis devenue content. Le monstre qui vivait en moi s'est calmé et a arrêté d'apparaître. Mais là, en fait, on est dans le journal intime. En fait, c'est son enfance au tueur. Et oui, le gamin, c'est lui qui a tué. À cause de trauma, j'en sais rien. Non, là, on joue pas le tueur. On joue un flic qui enquête là-dessus et qui est dans la tête du tueur. Et là, c'est des souvenirs de son enfance pour comprendre pourquoi il fait ça. Putain, il l'a pas gardé. À l'étage, peut-être. Je peux pas y aller. Sois toi. Putain, je peux y aller. Non. Bah, ça va faire le buzz, ça. Quelle angoisse. C'est là. Je la prends en photo ou pas? C'est horrible. Elle va nous sauter dessus, d'accord? On prépare... On... Ah non, je l'adore. Ah, c'est génial. Il y a sûrement un truc à prendre en photo. Je sais. Il faut prendre en photo les endroits qu'ils nous ont montrés, non? Donc il y a la tombe. Et l'autre, c'était quoi? C'était pas dans le grenier, dans la grange? Ok, je vais au grenier et au niveau des tombes. Des endroits rassurants de ouf. C'est dégueulasse. C'est franchement, ça, c'est franchement un move de connard. C'était là, c'était par là. Je crois que c'était ça. Ah ouais, il me le dit. Ah non, non, ça, c'était dur quand même. Donc ils font ce genre de screamer, on en est là. Ah eh, la tombe, on n'a pas vraiment besoin d'y aller, non? La photo et on se casse, d'accord? Juste la photo et on se casse. Eh, c'est incessant. Ils sont trop forts. Ok, la photo, on se barre. Allez. J'ai vu, hein, j'ai vu un truc bouger derrière. J'ai pas capté ce que c'était, mais j'ai vu. Ok, venez, bye. Shake it off. C'est bon. Quoi? Je peux monter? J'ai pas envie. Salut. Les gars. Ah ouais, c'est la joie ici. Super pièce, super chambre. Pourquoi il y a trois trucs là? The basement has opened. Ok, le basement c'est en bas. Il y en avait un sur la... Non, quoi, il y en avait d'autres? Je suis fatiguée à ce point-là? Oh! Ah oui! Merci! Il n'y a plus qu'un. Il y a sûrement un truc que je dois ouvrir en coupant. Waouh, ouais, mais qui a ce genre de coffre aussi? Quelle idée! Je crois que c'est ça. Ah! Anyway, faut qu'on aille mettre ça là-bas. Ok, donc là tout est ouvert. Vas-y la cave. Et je vais jamais bien dormir. Il y a aucun monde où je dors bien. C'est impossible. Pire en pire, il pouvait battre l'avant. D'accord, pardon, je vais dans la cave. Chut. Oh ta gueule. Oh pardon. Oh, le puzzle. Il me manque deux. Où sont les deux autres? Il me manque deux pièces. Après l'accident, Phil m'a demandé de l'aider à retrouver sa famille. On a essayé plein de fois, mais ça n'a pas marché. Et c'est de pire en pire pour Phil. J'ai été laissée seule, j'ai décidé que si on pouvait pas avoir sa vraie famille, alors on en trouverait une nouvelle. Et du coup, ils ont kidnappé un gosse. Pourquoi ma porte, elle est autant ouverte, Mania? Ensuite, j'y suis allée moi-même. J'ai vu mon papa avec un enfant. C'était ce garçon de notre maison. Il le traitait mal et c'était pas son vrai papa. J'étais sûre qu'il était laissé seul et je suis allée le voir. Et son nom était Peter et il me détruit les oreilles. Ah! T'es vraiment un connard. Avec ton rire là, pourquoi t'as un rire comme ça là? T'as un rire de clown. Ah, il m'a fait trop peur. Vous m'avez rien dit en plus ce chat. On est censé être ensemble dans ce genre de truc. Et on partage des choses tous les jours, non? T'es censé me prévenir pour ça. Ah, génial. Attendez, mais le gosse il a été enfermé là-dedans ou... Je suis revenue à la maison après l'école, ma maman elle était pas contente et donc j'ai dû rester là-dedans. Le texte dit qu'il a tué les parents à Peter. Ok, là on est sorti des souvenirs. Ça a sauvegardé là? On peut m'attraper? C'est de pire en pire, j'ai de plus en plus peur des jeux alors que j'en ai fait mais 300. Ok, il me traumatise déjà! Non, non, pas honte, honte.